Hello, hello, bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je vous retrouve. Je suis passée dans le bureau, voilà. Parce que Sam avait envie d'un petit café qu'on vient juste d'arriver, qu'il fallait qu'on voit pour cette histoire de comment poser le luminaire. Oui. Donc je pense qu'on va faire appel à un professionnel parce que ça se trouve très haut. Puis comme au niveau de l'électricité, c'est peut-être un petit peu compliqué ici. Il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse, qu'il fasse pour qu'on fasse pas de bêtises. Parce que l'électricité, c'est quand même quelque chose d'important et de délicat, on va dire. On va dire ça comme ça. T'es toujours là? T'es pas toujours là? Toujours là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je profite de ce que tu dis. Et ben c'est parti, en avant pour le café déjà pour commencer. C'est ça. Allez. Mais avant toute chose, on se met dans l'ambiance. On allume les ananas. Il faudra que je mette des petites piles là-dedans pour les tester aussi. Oui. Ananas et ananas. Et cette fois-ci, c'est bon, je fais le café. Faudra tester les licornes aussi. Faudra tester les licornes aussi. Voilà, petit café pour monsieur et thé au citron pour moi parce que je suis malade. Tu es malade? Je suis malade. J'ai le nez un petit peu embêté et la gorge qui gratte. Et j'ai chaud. J'ai hyper chaud. Je crois que j'ai de la fièvre. T'as de la fièvre? Ou alors le chauffage marche très bien ici. Non mais en plus, il fait hyper beau. Donc je pense que c'est juste, voilà, parce qu'on avait mis le chauffage en fonction de très 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 froid la dernière fois. Et là, avec le soleil qui tape, forcément, il fait moins froid. C'est ça. Donc vu qu'en plus je suis un peu malade, j'ai chaud. Mais genre, j'ai vraiment chaud. Je suis en manche courte. Attends, regarde, tu l'as pas enlevé toi, donc j'ai vraiment chaud. Ben, j'ai dit que j'avais chaud là. T'as chaud, mais t'as pas enlevé ton pull quand même. Pas encore. J'ai peut-être un peu de fièvre quand même. J'en ai profité pour mettre des piles pour voir ce que ça rendait. Et bon, bah là, on est en plein jour, donc c'est forcément pas extraordinaire. Mais ceci dit, on les voit quand même. Oui. C'est pas mal. Ah, téléphone. Bon, on a fait les 2-3 bricoles qu'on avait à faire ici. Il est midi. On va aller manger. On a encore une course à faire. Ensuite, il faut qu'on rentre à la maison parce qu'on a un rendez-vous. Et je vous retrouve tout à l'heure. On vient de rentrer à la maison, on va pas tarder à faire à manger et au passage j'ai récupéré ça dans la boîte aux lettres et je trouvais que la boîte était trop belle. T'as vu la glossy box de ce mois-ci, comme elle est jolie la boîte. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, mais peut-être que je vous ferai une vidéo dédiée pour ça. Donc du coup voilà, je vais mettre la table et puis on va pas tarder à manger avec Sam. Coucou la crapule. Coucou. Comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? C'était hyper bien. Hyper bien? C'était trop bien, génial. Trop bien, génial, mais cette fois-ci particulièrement trop bien, génial. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a eu un spectacle de théâtre. Oh, vous avez fait une pièce de théâtre? Oui. Juste après la fin des cours. Du coup, on est venu vous voir et c'était trop mignon. Et elle s'appelait Cluedo. C'est ça. Ça t'a plu de jouer dans une petite pièce de théâtre comme ça? Ah oui, trop. Tu voudras le refaire? Ah oui. Mais là, c'est terminé les cours de théâtre à l'école? Oui, il me semble. Oui, hein. En fait, vous le faites chaque année, mais juste une partie de l'année, quoi. Oui. C'est dommage qu'ils le fassent pas plus. Oui. En tout cas, nous, on a vu que ça te plaisait beaucoup. Hein. Ah oui. Et la cantine? C'était hyper bon. C'est vrai? Comment ça se fait? Il y avait quoi? Il y avait des frites avec un peu de petits cubes en pommes de terre. Mm-hmm. Il y avait du steak en morceaux et il y avait un truc vert en forme comme ça. Un truc vert, c'était quoi? Ça se voit, pas bon. Tu sais pas? C'était... Un truc vert non identifié? Un peu, c'était... Un truc vert craquant? Des poivrons? Non. Non, les poivrons, elles sauraient quand même. Oui. Bah oui. Non, c'est vraiment pas bon. Peut-être un légume qu'on n'a pas l'habitude de manger. Peut-être. Peut-être. Ah non, je pense que vous connaissez pas. Tu crois? Bon, on m'a dit le prénom, j'ai totalement oublié. On t'a dit le nom, parce que jusqu'à présent, les légumes, ils n'ont pas de prénom, je crois. Parce que petit pois, son prénom, c'est petit. Ah d'accord, ok. Mon famille, c'est pois. On demandera à Loulou. Autant lui, il a réussi à savoir ou à trouver ce que c'était. Il a identifié la chose verte. Peut-être qu'il a réussi à identifier la chose verte. Bon, en tout cas, c'était une journée plutôt pas mal, du coup. Oui. Bon, bah super. Et là, ça va être l'heure d'aller chercher Loulou, rechercher Loulou à l'aïkido. Et toi, la mission, c'est la douche, le pyjama. Oui. Allez, c'est parti, on y va. Tout de suite, tout de suite. Et recoucou Loulou, bien rentré de l'aïkido? Ouais. Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Je me posais une question la dernière fois. Ouais. Est-ce qu'à chaque cours, systématiquement, vous apprenez quelque chose de nouveau
ou pas systématiquement, tu vois, si d'une fois sur l'autre, bah, parfois il y a une nouvelle prise, un nouveau truc, puis parfois juste vous révisez ce que vous avez déjà appris. Le plus souvent on révise ou on approfondit. D'accord. Tu sais pas à peu près à combien de prises différentes, enfin d'exercices différents vous en êtes ? Au moins 10. Au moins une dizaine ? Ouais, c'est pas mal. Bon, pas trop fatigué ? Ah oui, dis, je voulais penser à quelque chose. C'est Sam qui m'y a fait penser. Ta sœur nous a dit que ce midi à la cantine, elle avait eu un truc vert, alors des frites et du bœuf, et un truc vert qu'elle a pas réussi à identifier et qui était pas bon et qui était un peu craquant. Est-ce que toi, t'as eu ça ? Non. Non ? Non, j'ai pas eu. On a pensé à du poivron, mais c'était pas ça ? Non, je sais pas. Tu vois pas ce que c'est ? Non. Toi, tu l'as pas eu ? Non. Mais genre, tu l'as pas eu dans ton assiette ou tu l'as même pas vu au self ? Mais il n'y avait pas de sauce avec votre viande qui accompagnait ? Non, il y avait la sauce du steak. Bon, ben, faudra qu'on demande à ses copines si elles s'en souviennent. Et sinon, faudra que j'aille regarder le menu de la cantine à l'école pour voir si moi j'arrive à trouver. Ah, c'est pas bête ça, je vais aller regarder. Vous m'écoutez les garçons ? Oui. Alors, déjà c'est bizarre parce que elle nous a dit que c'était du bœuf ce qu'elle a mangé. Du steak haché, elle a dit. Du steak haché ? Ok, donc moi déjà sur le menu j'avais poulet Tex-Mex. T'as eu quoi toi ? Moi, des boulettes de pommes de terre et du steak. Ok, donc déjà ils avaient marqué poulet, ça n'a pas été ça. Poulet Tex-Mex, ça peut pas être confondu avec... Non, ça me paraît compliqué. Et ensuite, il est inscrit frites épinards. Elle aurait pas reconnu des épinards ? Ah, mais peut-être que ça a été... C'était des épinards comme du brocoli. Tu sais, du brocoli. Pas les épinards comme nous on les mange en fait. Non, pas hachés. D'accord. Peut-être que c'était des brocolis. Ouais. Non, des épinards. Si les épinards deviennent des brocolis quand ils sont pas hachés, et je me suis, ouais, j'ai compris. Donc, il faudra qu'on lui demande si épinards ça lui parle, si, parce qu'on lui a dit soi-disant là-bas à la cantine. Tu les as vu passer les épinards, toi, du coup, non ? Non, moi j'ai rien vu. Oui, parce que vous êtes nombreux à nous demander pourquoi est-ce que les enfants mangent la même chose. Mais je vous l'avais déjà expliqué, en fait, c'est parce qu'ils sont dans une école, ils sont dans la même école, tout simplement. Donc ils vont à la même cantine. Mais a priori, ils sont censés avoir le même menu, mais ça n'a pas l'air d'être toujours le cas. C'est un petit peu bizarre. Et en dessert, t'as pris quoi ? Deux compotes, une pomme, une clémentine. C'est bien. Même s'il y a marqué laitage et fruits, donc là, apparemment, ils ont le choix. Ok, donc le fameux truc vert inconnu, il semblerait que ce soit des épinards. On va redemander à la puce quand même, si ça lui dit quelque chose maintenant. Dis-moi la puce. Oui. Si je te dis épinards, est-ce que c'est ça que t'as eu ce midi ? Non. Non ? Parce que sur le menu de la cantine, c'était marqué qu'il y avait des épinards et des frites. Ah non, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça ? C'était des genres de trucs en forme comme ça là. Ouais, mais c'est pas très parlant ce que tu montres. Est-ce que ça ressemblait à une branche verte, un peu... Une branche, c'est-à-dire ? Ben, comme une feuille avec une branche, quoi, tu vois, comme genre un truc un peu qui ressemble à de la salade, mais qui ne serait pas de la salade. Non. Non ? Ça ressemblait un peu à du poivron, mais c'était pas du poivron. Il y a un nom un peu bizarre. C'est en forme comme ça. Bon, c'est en forme la même texture que du poivron, mais ce n'est pas du poivron. Même texture que du poivron sans être du poivron. Demain, si tu y penses, tu demandes à la cantine ce que t'as mangé hier. Enfin, ce que t'as pas mangé hier. Parce que du coup, t'as trouvé ça pas terrible. Je te dis hier parce que demain, aujourd'hui, ce sera hier. Bref, je me comprends, tu m'as comprise, c'est le principal, tout le monde se comprend. Et sur ce, bon appétit tout le monde. Merci. Et coucou le lapinou. Coucou les amis. Comment il va, petit Oreo ? Je pense qu'il va bien. Oui, il mange toujours aussi bien. Ah oui, il est toujours aussi gourmand. Il est toujours aussi gourmand. C'est un petit coquinou. Oh oui. Oh oui, mais très câlinou aussi. Je crois aussi. Que c'est moi qui se porte bien. Oui, effectivement, il a pas mal poussé. C'est un joli petit lapin, oui. Regarde, il a un beau gabarit. Hein. Oh oui. Il est vraiment, vraiment adorable. Il est tout doux. Il est tout doux. Bon, on va mettre les filles un petit peu dehors pour qu'ils puissent gambader. Ok. Oh, et faire le petit saut de cabri. Et faire les petits sauts de cabri qu'on aime tant. Peut-être.
Il est juste derrière le coussin. Ça y est, Oreo, tu t'es bien promené? Oui. Je sais pas si j'aurais réussi à capturer ces deux petits sauts de cabri, mais qu'est-ce qu'il est rigolo quand il fait ça. Et oui. Il paraît que c'est quand ils sont contents qu'ils font ça. Genre, youpi, la vie est belle, je me balade, tu vois ce que je veux dire? Bon, par contre, là, c'est l'heure d'aller au dodo pour tout le monde, et ça veut dire toi aussi, demoiselle. Donc, on va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous aura plein de gros bisous, et on vous dit à très bientôt. Ciao. Salut, salut.